Bon, salut, suite du PBM Valmy. Alors, le replay, je mets oui. S'il se passe rien, je l'enlèverai. Mais là, il y a des combats. Il y a nos skirmishers là, qui sont dans la forêt, qui leur tendent une belle embuscade. Donc, c'est plutôt cool. Les meigneux. Ça y est, ils ont pris les meigneux. Bon, c'est pas un objectif, hein. Là, la visibilité, elle est à 20. Donc là, on va avoir plus de. Et voilà où ils sont. Donc tout ça, il n'y avait rien là-bas. Oh putain. Et là, il n'y a toujours rien. Eux ne voient rien. Les scouts qu'on a en bas, là. Tu vois, ils ne voient rien. Avec 20 hex, ça les amène assez loin. Donc ça veut dire que tout est là, en fait. J'ai l'impression. Donc eux, il faut vraiment les utiliser comme un corps de réserve. Et on va les amener là et on va les faire remonter, les prendre sur leur flanc. On va leur faire une. On va les enrober comme ça. Bon, je vais mettre sur pause, vu qu'il se passe rien. Bon, là, il y a quelques mouvements de troupes. Ok, fin du replay. Alors je vais baisser le son parce qu'apparemment c'était très fort. Ça a dû vous arracher les oreilles. J'espère que je n'ai pas crevé des tympans. 9 unités undisordered. 2 unités rallied out of 5 checked. Ok, bon. Tour 21. Alors, donc, on est à 24 hex de comment ça s'appelle? Bah, de visibilité. Je vais baisser un petit peu le son, voilà. Alors, nos scouts, alors qu'est-ce qu'on en fait des scouts? On va continuer ben, à observer. Ceci dit, là, avec 24 ex, si tu parles de lui, tu vois, ça amène loin. Sauf que là, on ne peut pas voir ce qui se passe. Donc, on va quand même essayer d'aller un peu là-haut. Ouais, mais on voit rien parce que tu vois la visibilité elle est bouchée. Donc en fait, on est visible de 24, mais ça veut pas dire qu'on voit à 24. Forcément. Bon, lui, on va le ramener. C'est un vert, donc il va être avec eux là. Donc allez. Ah, on va aller. Alors là, on est à 116. Ah, attention, c'est un gros groupe, un très très gros groupe. Donc on va venir là. Et on passera par ce petit pont qui est là. Ouais. Donc lui, on a vu qu'il avait plus rien à ici. Si, il a encore 3 points. Ouais, bon, ça suffit pas. Alors, lui, eh ben on continue à le faire à avancer. Tu vois, on voit les cases visibles. Alors, c'est assez utile, ça, en fait. Voilà, là, tu vois, on voit plus rien, là. Bon, mais là, à mon avis, il n'y a pas grand-chose de ce côté-là. Hein. Tant mieux. Alors, on va commencer à ramener, continuer à ramener nos troupes. Alors, donc, effectivement, l'axe de la bataille, ça va être par là. Donc, ça, c'est vraiment le centre de gravité. Je ne sais pas où il va être. Ça va être par ici, je pense. Donc, on va ramener. Alors, on va cliquer sur les formations. Voilà. Et je vais enlever les visible hex. Alors, on va ramener nos artilleries déjà. Lui aussi, on va le ramener. Là, c'est une infanterie, donc on va la mettre. Ça, c'est de la cavalerie, donc on va la reculer un peu. On va essayer de suivre les conseils de CM. Ça, c'est une. Alors, on va les séparer. Première raise. Bah, première réserve. Hein, donc, il va aussi bien avec l'un qu'avec l'autre. Ils sont tous première réserve. Donc on y va, lui, on va le mettre plutôt avec lui.
Donc hop, 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 hop. Bon, ben, ils peuvent pas aller plus loin. S'il y a lui qui peut avancer. Hop, hop. Alors attention. Ben là, il est au bout du bout. Lui, on va le faire passer par où alors? On fait passer par cette route-là en revenant un peu en arrière ou par celle-là? Bon, on va continuer. C'est quoi ça? Infanterie. Ouais, ben, on va passer par cette route-là. Eux, on peut les faire passer par là. Lui. Ben, on le ramène hein, sur le. Ben, je rappelle, hein, on va. Il faut les garder à peu près groupés dans. Quoique là, je l'ai bien éclaté la division là. Oh putain, bon. Et ça, supply. Le supply est un divisionnaire. Alors, hop, hop, hop. Bon, on n'ira pas plus loin. Ok. Est-ce qu'il y a un pont là? Non, il n'y a pas de pont là. Il n'y a pas de pont là. Stream. Disordered. Est-ce qu'on le ramène? Est-ce qu'on le ramène en arrière ou... C'est quoi ça? 100. Là, ça c'est 600. Donc là, on va pas essayer d'attaquer ça. Donc là, on est mal. Donc on va essayer de s'en aller par ce pont qui est là-bas. Bon. Là, eux, on va les laisser. D'ailleurs, unit off. Ah ouais, non, ils sont pas sur du. Ils sont pas. Il faut les mettre là, les skirmishers. Dans la. Il faut les mettre dans la forêt. Il y a un moins 30%. Donc il faut 30, moins 30% pour l'attaque de cette case, je pense. Voilà, là on va pouvoir tirer. Là on va pouvoir tirer sur eux. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut pas tirer? Est-ce que c'est pendant la phase prochaine? Je me perds un peu dans les différentes parties que je joue. Je sais plus si j'ai droit, si j'ai les phases ou pas. Tu sais, il y a des tours par phase ou pas. Soit les tours sont divisés en phases, soit ils ne le sont pas. Ah ben là, on va rester comme ça. Nous, on défend a priori, hein, donc eux, on va les enlever par là. Très bien. Très bien. Eux, ils regardent du mauvais côté. Demi-tour. 146 men. Mounted. Allez. Oh, bah, on peut plus rien faire. Par contre, eux, montez. Ils vont aller là. Et on va aller, on va leur faire un tour. Ah ben il n'y a plus de, il n'y a plus de quoi les faire aller là. Montez, montez. Eux, on va les reculer. Demi-tour. Ah merde, c'est mauvais clic. Encore un mauvais clic, putain, décidément.
Eux, on leur a fait. Alors, on va mettre ceux qui ont bougé, moved. Eux, ils sont en ligne, donc ils sont bien a priori. Extended. Extended, line, extended. Donc, on va faire extended à eux aussi. Hein. Voilà. Ah oui, donc du coup, ça nous a fait un skirmisher. Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire extended. Attention, parce que là, je vais le mettre en colonne. Ben, je sais pas comment on fait. Ah voilà, extended, c'était ça. Donc, on va faire... on va faire extended sur le right. Mais ça n'a pas marché. Enough men to go extended, extended line. Ok, bon. C'est pas grave. On va mettre les skirmishers par là. Alors, ensuite, ça, on a vu, on a commencé à rapatrier tout le monde. Donc là, c'est bon. Il y a lui, là, qui est pas bon. Et lui, attention, il faut le faire. Ah ben, il peut pas faire son demi-tour. Moyen cool. Là, c'est bon. Là, on touche pas. Attention, parce que lui, il va rien pouvoir tirer. Il s'est mal placé, là, ce que je fais. C'est très, très mauvais, ce que je fais. Très mauvais. Il faut les pousser, ceux-là. Là, shorten, shorten. Deux infanteries. Il faut pas les mettre devant les artis, quoi. Donc, on va les pousser plus par là. Ah, merde, on peut plus, là. Et comment ça, ils ont 8? Exceeded, bon ben tant pis. Et eux, il n'y a plus qu'un. Donc ouais. Ici, monted, monted, monted. Donc eux, il faut tous leur faire faire un tour vers la droite déjà. Et comme c'est de la cavalerie, c'est n'importe. Donc la cavalerie, il faut la mettre derrière. Ah putain, je peux pas. Les dragons. Demi-tour. Ça, c'est de l'infanterie. Et ça, c'est... Tout ça, c'est de l'infanterie. Ah non, cavalerie, ça, pardon. Ah oui, il y a un signe de cavalerie. Donc, ils regardent tous du mauvais côté. Donc, on leur fait faire... Hop. Et hop. Voilà. C'est eux qui m'embêtent. Ils ont 19 de mouvement. Là, ils peuvent faire parce qu'on dépasse la limite de la stack. Et hey, putain, regarde-moi ça comme c'est mal placé ça là-bas. Là, lui. Et là, la cavalerie, on va la faire. Bon. Allez, là, on continue nos grandes manœuvres. On ramène tout le monde par là. Ça, c'est de la cavalerie, donc... On va enlever de la visibilité parce que ça nous perturbe un peu. Voilà, donc là on a tous les... Ah, attention, là il y en a encore des violets. Là. Et là, il faut enlever... Lui, a priori. Voilà. Ah oui, parce que attention, il y a... là on a... Un... On a une artie. Avec un range de 12. Des canons de 6 livres. C'est pas facile de placer les... Tu vois, parce que là, il a 8, là. Putain, c'est pour ça qu'on a aucune visibilité, quoi. Ah, putain. Lui, il a... Un range de 9, uniquement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y arrive même pas à aller au bout de son range de 9. Ouais. Alors, ici, tout ça, on va les amener là-bas.
Là, il y a du moriaz aussi. On emmène tout le monde là-bas. Voilà. Et là, ce groupe-là. Alors ça, on a dit qu'on abandonnait. Attends, il y a eux encore. C'est vraiment de la manœuvre pour l'instant. C'est assez intéressant parce que c'est vraiment que de la manœuvre. Et ça peut conduire à des erreurs tragiques, hein. Allez, là on a dit qu'on avançait tout le monde, donc on y va. On suit le plan, hein. Et ouais, parce que ça sert à rien qu'il reste tout en arrière comme ça. Donc du coup, on a une énorme réserve ici, hein. D'ailleurs, au niveau organisationnel, c'est quoi ça? C'est Miranda. Division gauche, armée du Nord. Left Division, armée du Nord. Ah, parce que toi, il fallait te mettre en colonne. Putain, quel con. Colonne. Attention, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un pont là. Comment ça se... Ah, il y a un pont. Donc le pont, normalement, ils peuvent passer qu'un par un, quoi. Il est où le bridge? Eh bien si, pourtant là il y a un pont. Est-ce que 3 on peut encore avancer? Non. Lui donc normalement il devrait pouvoir franchir le pont là. Voilà. Ouais. Lui aussi. Ouais. Et lui aussi. Il faut les faire un par un quand il y a un pont. Mais lui, il n'a pas assez de points de... Il a pas assez de points. Ça, on a dit qu'on allait là-bas, mais ils ont plus de points. Et si, pourtant, ils ont deux, ils ont 9. Qu'ils peuvent avancer un petit peu. Alors, Miranda, est-ce qu'il va pouvoir traverser? Yes. Eux, ils ont déjà franchi le ruisseau, donc on les fait avancer. Ouais, c'est vraiment de la guerre de manœuvre, là, pour l'instant. C'est... Vraiment, moi, ça me plaît bien, quoi. J'espère que je ne suis pas en train de faire une énorme connerie. Oh putain, est-ce qu'il va pas me rater, là, hein? C'est ça le PBM. Bon, a priori, c'est pas un pro. J'avais demandé à un débutant, donc un autre débutant comme moi, quoi. Pas un débutant, mais enfin, ouais, voilà. Bah, j'avais demandé à ne pas jouer contre Karpov, tu sais. Quand tu joues aux échecs contre Karpov, tu sais même pas la peine, ça sert à rien. Tu peux rentrer chez toi directement, c'est le même résultat. Tu n'as aucune chance de gagner. Bon, bah écoute, voilà la gueule que ça, hein. Là on a plutôt une bonne allure, mais bon, je me suis étonné. Alors il va avoir des renforts, j'imagine. Mais on a, tu vois, là, on a du gros là. Hein. Donc ils arrivent comme ça. On les fait arriver. D'ailleurs, c'est cette route-là qu'il va falloir prendre. Hein. C'est la route naturelle. Elle est où cette route? Et ça, bah, c'est la route des Ménieux. C'est la route des Ménieux. Et on va arriver là et on va les prendre par derrière. C'est toujours bon par derrière. Hein. Ah putain. Ah là 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 là. Oh. Alors, est-ce qu'on peut tirer ou comment ça se passe là? Est-ce qu'on peut tirer à ce stade-là ou pas? Non? No unit have been selected to fire. Allez. No effect. Alors, lui, il n'a pas de can fire. Apparemment, ils peuvent tirer nulle part. Hein. Eh ouais, putain. Oh putain. Eh putain, c'est les maïs, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, ces putains de maïs. Oh. Alors, je comprends pas parce que là, la visibilité me dit qu'on a de la visibilité, mais t'as les maïs. Donc t'as visibilité, mais t'as pas la visibilité. Tu vois? Visibilité, mais t'as les maïs là. 170. Et pourtant on est à 180. Tu vois, on est à 8 et là, il y a 7.
Lui, il sait pas, il peut tirer nulle part. Putain, mais c'est pas vrai, quoi. Lui, normalement, il devrait pouvoir tirer quelque part. Sur lui, par exemple. Donc, on va enlever lui. Et notre facing. Alors, on tire sur quoi? Là, il y a des canons, là. Six guns. Allez. On va tirer sur les guns. Eh ben, ça marche pas. Exit by 3 eggs. Ah bah ouais, on peut. Oui, forcément, ils sont pas dedans. Parce que lui, son range, c'est. Putain, on peut encore rien tirer, c'est un range de 13. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Notre facing. Et là, il peut pas, parce qu'il y a le petit bosquet. Faut attendre qu'il se rapproche. Hein. On peut rien faire, on peut pas tirer, quoi. Lui, il a un range de 13. Allez, là, on va pouvoir tirer sur lui. S'il n'y a pas les maïs pour nous faire chier. Si. Notre facing. Putain, mais c'est pas possible. Allez, on va quand même pas tirer sur des skirmishers, quoi. Là, il y a 600 hommes. Mais on peut pas. Exit by one. On peut tirer sur eux, mais on va pas tirer sur des skirmishers. C'est pas possible, ça. Mais chaque fois, il y a un truc qui me bouge, quoi. Ah ouais, 9. Ah, de toute façon, là, il n'a pas la visibilité. Donc, on peut pas tirer non plus. 9. Bah lui non plus, peut pas tirer non plus. Notre facing, ils ont pas le bon facing. Alors attention, s'il a pas le bon facing, on va le tourner son facing. Ça, c'est attention, attention. C'est vrai que là, on n'est pas en mode de face, donc on peut le mettre comme ça. Exceeded by 2 hex. Bon, bah c'est pas bon. Lui là. Bon, bah on va pas trop le choix, on va être obligé de le Handy Bird. Limber, donc lui, il faut qu'il avance. Ah mais je les ai pas tous fait avancer. Lui, il a plus rien. Lui, il a plus rien. Alors attends, on va les mettre sur... Ouais. Ils ont tous bougé ceux-là. Bon, bah là, il n'y a rien. Non, donc on peut pas tirer, on peut rien faire. Putain, moi, je sais pas placer mes articles. Je sais pas mettre mes canons, les mecs. Putain, là, je pensais qu'on pourrait tirer, mais non. Hein. Chaque fois, il y a un truc qui me bouche là, lui, quoi. Oh. Donc, next. Ah ouais, alors attention. 21. On a 131, 131. Et là, voilà, on peut y aller. On va aller se les chatouiller un peu. Hein. Ah ouais, mais on peut pas charger là. Une mêlée faible. Ah oui, c'est la phase de mêlée qu'il y a après. Bon, on verra, mais à un moment donné, qu'il y a un ruisseau comme ça, on va pas pouvoir charger. Donc j'ai fait une connerie de plus, quoi. Bon, bah, tout ça, c'est bon. Allez, hop. Melee phase. Alors, le prochain. Qui est-ce qui peut... Alors, lui, can melee. Sauf que lui, il est disordered. Alors, est-ce qu'on va se prendre une branlée, là? À mon avis, oui, parce qu'il y a la... Oh, putain, non, on est en... Ouais, 12 attaqueurs. Bon. Next. All units considered. Et eux, ils peuvent pas melee, eux. Non. Cannot melee. Ouais, bon, bah, il n'y a plus rien. Ok, ben bah voilà, c'est. Alors voilà la configuration, on est en train de vraiment de se mettre en place, mais ça, depuis tout à l'heure, on n'arrive pas à se trouver, quoi. Et puis il avance pas, lui, le camarade, là, il avance pas, putain. On va quand même pas aller lui charger dessus, quoi. On va voir, on va attendre. On va voir comment ça se développe. Allez, fin de tour. Allez, à la prochaine. Salut les gars.